Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo jardin, débroussaillage plus exactement. Je vous avais dit dans ma vidéo objectif, je crois que c'était vidéo objectif, que je voulais absolument ce mois-ci débroussailler tout le terrain parce que j'en ai marre qu'il y ait de l'herbe partout et ça m'agace. Et faut que j'avance parce que je voudrais planter des arbres, des buissons, etc. Bah, fin novembre. Et voilà. Donc faut que je débroussaille. Donc j'ai commencé déjà là à tout débroussailler. Je vais vous montrer. J'ai commencé à débroussailler toute cette partie-là. Et là. Voilà. Donc ça fait déjà un petit peu mieux. Il y a juste. Bah, là, il y a la mare. Donc il faut que je mette le fil parce que bah, il y a plein de buttes de terre. Donc c'est un peu galère avec la lame. Et là-bas, au bout, que j'ai pas fait parce que mon fil. Parce que j'ai la débroussailleuse électrique. Et le souci, c'est que bah, j'ai déjà trois rallonges et en fait, ça ne va pas jusqu'à là-bas. Donc, je vais mettre une quatrième rallonge. Donc, ce matin, ce que je vais faire là, c'est que je vais finir cette partie-là. Et après, bah, il faudra que je débroussaille aussi cette partie-là. Et ce qui serait bien, ce serait que, bah, que je passe un peu partout, bah, autour des arbres, partout. Donc là, il y a les chiens qui ont commencé un peu à creuser partout, il y a une tonne de mulots, un truc de dingue, les mulots qu'il y a ici. Et en fait, bah, je voudrais vraiment passer entre tous les buissons, les arbres et tout, pour tout bien remettre au propre. Et que je puisse après bah, avoir une planche, on va dire, que je puisse y voir plus clair pour après planter les arbres et les buissons que je voudrais planter, quoi. Mais là, déjà, au moins, on voit mieux les arbres. Et moi je les vois de loin. Voilà. Donc là c'est l'objectif de ce matin. Enfin ce matin il est déjà 11 h. Donc je vais finir ça. Et puis après il bah, faudra que je me mette sur le potager. Donc c'est parti, je finis ça. Ça y est, j'ai fait cette partie-là. J'ai tout bien débroussaillé. Il y a juste là-bas dans le coin où bah, je peux pas parce que le fil il va pas jusque là-bas. J'ai fait aussi bah, derrière les buissons et autour des buissons. Donc j'ai commencé à couper certains trucs là qui envahissaient. Par contre, je vais pas tout couper aujourd'hui les buissons que je vais pas garder, genre ceux-là. Là, je vais pas les garder parce que c'est vraiment des arbres. Et bah, je veux pas des arbres là.
Donc il faudrait que je les enlève, mais je les couperai et j'enlèverai directement les souches. Donc je les couperai en même temps parce que sinon après je vais pas me rappeler où est-ce qu'elles sont les souches exactement parce que j'en ai quand même beaucoup à enlever. Bah, je vais pas tout enlever, mais là j'ai un chêne quoi. Bah, je vais l'enlever, je vais pas le laisser là. Voilà. J'ai laissé aussi cette petite partie-là. Parce qu'il y a la menthe qui est toujours là, elle est là. Mais ses fesses, sa tête là. Donc bah, j'attends qu'elle s'en aille et puis bah voilà. Par contre, petit souci, il fallait bien qu'il y en ait un, bien sûr. J'étais en train de, bah, j'étais en train de débroussailler, d'un coup ma débroussailleuse s'est arrêtée. Donc je me suis dit, c'est pas vrai que c'est ma débroussailleuse toute neuve, ça y est, qui est morte. Non, non. C'est une de mes rallonges. Que sur les quatre rallonges, j'en ai une qui est morte, je sais pas pourquoi. D'un coup, elle a décidé qu'elle ne voulait pas. Peut-être que j'ai trop tiré, ça a donné des fils, mais quand je tire dessus, ça n'a pas l'air de s'enlever. Donc, enfin bref, du coup, je préfère que ce soit la rallonge qui soit morte plutôt que ma débroussailleuse. Du coup, bah, j'ai plus que trois rallonges au lieu de quatre. Donc, je ne vais pas pouvoir finir bah, cette partie-là, mais je vais continuer quand même là, bah, jusque là où les rallonges me permettent d'aller. Je vais continuer et puis après, bah, je ferai. Au niveau du potager, je pense que j'aurai suffisamment de fil pour pouvoir faire au moins du côté du potager. Par contre, le parc, non, c'est mort, je pourrais pas finir le parc des chiens. Voilà, il va falloir que je rachète une rallonge. Faut toujours qu'il y ait un truc, hein, c'est dingue. Enfin bon, il vaut mieux que ce soit la rallonge que la débroussailleuse. Je continue, je vous filme pas tout parce que bon, bah, en plus j'écoute la musique, et j'ai mes écouteurs. Et puis bah, je vous montrerai quand ce sera fini. Bon, on se retrouve, il est 13h, je commence à avoir trop chaud. Je me suis posée à l'ombre. Je vais manger parce que je commence à avoir faim aussi. Et puis, je reprendrai tout à l'heure. Là, je suis contente, au moins j'ai passé quand même derrière tous les arbres. Vous voyez, j'ai passé tout derrière les arbres, j'ai tout ratiboisé un peu comme je pouvais. Il y a juste, je sais pas si vous allez voir. Là-bas dans le coin, en bref, que j'ai pas pu passer parce que le fil n'est pas assez long. Donc ça va être chiant. Il va vraiment falloir que je me rachète un fil qui soit très long, que je puisse passer partout parce que je voulais faire le poulailler aussi, mais là c'est mort, le fil il va pas y aller. S'il va pas jusqu'à là-bas, il va pas jusqu'au poulailler. Voilà. Cet après-midi, je vais attendre un peu là qu'il fasse un petit peu moins chaud et je pense vers 15h, 16h. Je vais faire au niveau du potager parce que c'est à l'ombre, je crois, vers 15h à peu près. Donc, bah, je vais faire ça cet après-midi. Il faut que je me motive à le faire absolument aujourd'hui parce que demain, j'ai les toutous qui viennent. Et là, après, pendant une bonne semaine, j'ai les chiens. Et j'aimerais bien la semaine prochaine, pendant que j'ai les chiens, au moins tondre. Là, je vais tout laisser sur place. Que ça sèche et après je vais passer le râteau et je vais tondre bah, partout où je peux. Avec ma petite tondeuse électrique, ça va être galère. Mais bon, il y a encore du boulot. Par contre, au niveau du parc, je vais pas arracher de fil, je vais pas pouvoir faire ça. Et mon coupe électrogène, la durite qui est morte, donc je vais pas pouvoir m'en servir non plus. Voilà. Mais bon, ça avance doucement quand même, je suis contente. Et par contre, si j'ai un truc que j'ai pensé tout à l'heure, donc j'étais en train de débroussailler, c'est que je voulais faire une jardinière en face de la véranda. Et que je ne l'ai pas faite. Je remettais à plus tard parce que je voulais récolter les graines de moutarde. D'ailleurs, il faut que je les récolte. Donc maintenant que je vais pouvoir les récolter, je vais pouvoir faire la jardinière parce que j'ai beaucoup de plantes là qui sont en pot, qui sont en train de crever. Parce qu'il fait trop chaud et qu'il faut que je les arrose tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je n'y pense pas tout le temps à les arroser, donc elles sont en train de mourir de chaud là. C'est plein de plantes aromatiques, donc il faut vraiment que je fasse ça. Peut-être la semaine prochaine, je vais essayer de me motiver à faire ça. À voir. Bref, je vous laisse, je vais manger, je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est 14h45, je vais débroussailler tout ça là parce que ça m'agace. Là, c'est un buisson qui était là, qu'on a coupé pour que le camion il puisse passer. Et là, mon composteur et un chien qui est venu qui a tout arraché parce qu'il voulait manger ce qu'il y avait dedans.
Donc il va falloir que j'enlève ça, il y a des morceaux de carton, et puis il y a toujours le bois qui est là-bas, mais le bois j'aimerais bien le redéplacer et le mettre derrière là. Enfin bon, déjà je commence par débroussailler tout ça, et puis après je verrai. Bon bah voilà, ça y est, c'est enfin tout débroussaillé. Ça fait plaisir. Là il y a un carton, faut que je remette. La bâche pareil, elle s'est envolée, mais je l'avais mis autour justement pour pas que l'herbe repousse de trop, mais bon, avec le vent, bah ça s'envole. Voilà. Mais bon, au moins une bonne chose de faite. Bah j'ai pas fait le potager. Je le ferai plus tard. Il y a des trucs partout qui traînent, hein. Ça c'est les chiens. Voilà, il y a un arbre, des arbres qui poussent en plein dans le milieu de mon allée. Tout va bien. Mais sinon, il est toujours là. Il y a plein de tomates. Il faut que je ramasse. Donc je viens de temps en temps récolter. C'est vrai qu'on n'occupe pas trop du potager. Je viens juste récolter. Et puis bah, va falloir que je m'occupe de tout ça. Bon, bah voilà pour ma petite vidéo débroussaillage. C'est pas très glamour comme vidéo, mais bon, l'entretien du terrain, ça fait partie du truc, hein. C'est un peu galère, mais bah surtout quand on a des trucs qui tombent en panne entre ma tondeuse qui n'est toujours pas réparée. Puis bah là, la débroussailleuse, je la rallonge, la débroussailleuse, je sais pas pourquoi d'un coup elle a décidé qu'elle ne voulait plus fonctionner, alors que ça fait des années que je l'ai, cette rallonge. Mais bon. Voilà, ce que je vais faire, c'est quand même que je vais me racheter une très très longue rallonge de minimum 50 mètres. Parce que là, les quatre rallonges que j'ai ensemble, ça me fait 45 ou 50 mètres. Je ne sais plus exactement. Il y en a une, je ne sais pas combien c'est une 10 mètres ou une 15 mètres. Mais bon, enfin bref, il me faut 50 mètres minimum. Et encore 50 mètres, ça ne va pas jusqu'au bout là-bas. Donc ça ira pas jusqu'au bout là-bas. Le coin des chiens. Donc, bah, faut que je regarde. Et faut que je regarde surtout les prix. Parce que, une 100 mètres, ce serait bien. Mais ça coûte 100 balles. Non. Voilà. Je pourrais pas. Quand il me faut 100 balles dans une rallonge. Donc, à voir. Je vais regarder ça. En tout cas, je suis contente. J'ai bien avancé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai enlevé les brise-vues. Je crois pas que je vous l'ai dit. J'ai enlevé les brise-vues parce que bah, c'était tout défait encore. Et puis, bah, ça faisait vraiment pas beau. Il y avait tout ça pendouillé comme ça à l'arrache. Enfin, ça faisait vraiment pas beau. Donc, du coup, je les ai enlevés. Et même s'il y a de la visibilité, c'est pas grave parce que ça fait quand même moins moche que quand il y avait les brise-vues qui pendouillaient. Voilà. Donc, cet automne-là, j'ai l'intention de mettre des haies. Je vais mettre les petits buissons que j'avais repiqués. Ils sont bien bien poussés là, donc je vais les planter cet automne. C'est des troènes, mais c'est un feuillage persistant. Parce que ceux-là là, que vous voyez là, bah, ils sont caducs, donc ils perdent leurs feuilles l'hiver, donc ça fait encore plus de visibilité sur la route. Donc c'est pour ça que je veux mettre une haie à feuillage persistant, comme ça garde les feuilles toute l'année. Et entre chaque haie, je vais pas en mettre beaucoup, mais juste au moins que ça me cache un petit peu. Mais entre chaque haie, chaque buisson, j'ai envie de mettre aussi des arbres. Donc je vais regarder ça. Ce que je vais mettre exactement, vous m'aviez donné une liste d'arbres fruitiers, etc., que je pouvais mettre. Donc je vais voir si je peux mettre, si je trouve ce que je veux. Et je les mettrai bah, fin novembre, bah, pendant la Sainte-Catherine, là. Et puis voilà, et là tout du long là, j'ai envie aussi de mettre des petits fruitiers, des petits, des framboisiers, des trucs comme ça, voire même des vignes. Des vignes, ça peut être sympa aussi. Voilà, il faudra que je débroussaille le potager, et que je refasse le potager, le poulailler, et que je refasse la clôture avec du béton. Donc j'ai encore du boulot, il faut que je fasse aussi la clôture du potager. Et il faut que je finisse la clôture des chiens. Du coup, que je la remette en place. Et il faut que j'enlève tout le bois aussi. Voilà. Un petit peu de boulot quand même. Donc là, je vais avoir des chiens à partir de demain jusqu'à fin septembre. Donc je vais m'occuper d'enlever le bois et tout ça tranquillou.
Et puis voilà, c'est que je voulais absolument débroussailler avant qu'ils arrivent, comme ça au moins déjà ça fait plus propre. Et puis là, je vais laisser l'herbe sécher, je passerai un coup de râteau et je mettrai toute l'herbe le long des buissons, puis dans le potager, pourquoi pas avoir. Mais déjà au moins le long des buissons pour pailler les arbres en fait aussi pour cet hiver. Voilà, ça va me servir de paillage. Voilà. Bon, j'arrête de causer. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Peut-être ça vous aura motivé à débroussailler, qui sait? Sait-on jamais. Donc, je vous dis du coup à vendredi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!